Salut les amis, c'est Varg. J'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour la découverte du jeu Texas Chainsaw Massacre. On est actuellement en direct sur Twitch et regardez, il y a les copains qui vous disent bonjour dans le chat. Découverte donc en bêta fermée, on est actuellement du coup le 25 mai et on découvre donc le gameplay de ce jeu qu'on attend depuis si longtemps. Un jeu donc asymétrique, un peu similaire à Dead by Daylight. Hop, on y est, voilà. On est parti, je n'ai pas lancé le jeu, je viens de l'installer à l'instant. Et on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Bon, vous avez m'aider les amis. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas suivis. Évoluer dans l'ombre et le silence. Trouver des objets utiles. Ouais, ça on l'a vu du coup dans le tuto. Débloquer les sorties. Échapper à la famille. Oh, bonjour. Votre état empire, vous devez vous échapper. Faut pas que je fasse trop de bruit en fait, je crois, du coup. Putain, y'a beaucoup d'informations là. Je me mets ici. Ok, faut que je mette le clavier en anglais. On est là. Ah, j'ai verrouillé la porte. Ok, on va l'ouvrir. Ça marche. Alors après, voilà, s'il y a des problèmes d'optimisation, de perte de FPS, etc., sachez que le jeu est encore, du coup, en développement, c'est normal. Il y a encore, du coup, il y a des choses qui vont être corrigées, donc faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Comme on est sur les serveurs tests. Ah, putain! Direct, j'ai pas le temps de commencer, que je suis en train de me faire soulever par les surfaces, quoi, putain, sérieusement. Oh la vache. Attention, attention, attention. Stop, 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 stop. Ok, nickel. Holy shit, he's skipped fucking hell out of me. Mais couper le son. Yeah, I don't know what the hell we have to do, so just like. Appliquer. Nickel. Ok, je peux l'ouvrir complètement sans qu'il y ait un souci de bruit. Nice, j'ai ramassé un crochet, ok. Je sais pas trop ce que tu veux que je fasse avec ça. Là c'est pour se planquer, non ça nous intéresse pas. Il me faudrait un truc pour me soigner. Fragment d'os requis. Oh putain. Quoi, c'est pour tuer la poule? Ah non, c'est terrible. Non, non, pas ça. Sérieux? Ah ouais, bah tuer la poule pour qu'il fasse de bruit, c'est ça le truc. Non mais non, mais non, vas-y, je vais essayer de trouver une autre solution, ouais. Pour changer d'arme, ok, c'est la molette. C'est pour se cacher. Oh oui, des soins! Il faut que je me soigne. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça va mieux, nickel. Je récupère le crochet à nouveau. Là, on peut rentrer par ici. La cave, elle a l'air immense. C'est insane. La spatialisation du son est bonne. Ouais, j'ai entendu quelqu'un gémir, tu vois, sur ma droite, là. The fuck. Crocheter. Je peux crocheter? Ça se passe comment? Se concentrer. Ok. Vous avez réveillé grand-père? De quoi? Oh putain, bordel de merde. Restez immobile pour éviter la détection du grand-père. Ah! Non, non, arrête! Mec! C'est la sauce!
Ah mais sans déconner. Mercou, tu peux clipper ce passage, s'il te plaît? Si t'as deux minutes. Le passage où j'ai rencontré les Orphées, ça serait trop bien. Oh, c'est insane. Ah, attends, j'ai trouvé un autre crochet, ok. Attendez, il faut que j'arrive à retrouver l'endroit où j'étais tout à l'heure. Il aurait pas barricadé le truc par hasard? Attends. J'ai réussi à ouvrir un truc. Non, non, arrête de courir. Oh putain de bordel de merde. Tu m'as vu ou pas? Ah, il m'a vu. Vas-y, passe vite. Ah, il m'a mis un coup de tronçonneuse malgré le fait que j'étais en train de passer. Elle est morte, elle. Faut que je trouve un truc pour me soigner. Salut. T'as de quoi me soigner? Non? Chacun pour soi? Ok, je comprends. Je t'en veux pas. Temps de survie 5 minutes. Ouais, ouais, il faut que je trouve un truc pour me soigner. Récupérer des fragments. Il y en a un qui a réussi à fuir de la cape. Je vois où il est. Je sais où il est. Je peux plus courir. Ah, c'est pourquoi c'est espace. Non, lâche, c'est pas le bon truc. Voilà, avec ça, je peux. Fais plus de bruit. Ok, je comprends pas trop là, tu vois, comment ça fonctionne, mais bon, visiblement ça marche. Yes, est-ce que j'ai réussi à sortir de la cave? Ouais. Ok, j'ai réussi à sortir de la cave, je crois. Là, on va se retrouver dans les champs. Faut que j'arrive à trouver des soins, par contre, vraiment. Faut vraiment que je trouve des soins. Il y a tout le monde qui est en PLS là. Ils ont tous réussi à sortir, ok, c'est cool. Tout le monde qui est en PLS, c'est insane. Là-bas, il y a peut-être des soins pour moi. Ouais, je crois que c'est une boîte avec des soins, ça, non? Récupérer un crochet. Non, c'est un crochet. Bon, c'est toujours ça de prix. Nice. Grimper, non. Eh les gars, par contre, on va rien pouvoir faire ici. Hein. Il faut qu'on s'avance. Hein. Grand-père niveau 2, rester immobile pour éviter la détection. J'ai vu un truc sortir là-bas. Oh putain de bordel de Dieu. Il peut ouvrir la porte? Enfin, après tu vas essayer en tueur. Bah en fait tu peux pas choisir ton camp donc c'est aléatoire hein. Mais je pense que bah, on va spammer de toute manière le jeu et puis on finira par arriver à jouer en tueur. Ouais. Ils ont pas réussi à passer de l'autre côté je crois. Bah de toute façon faut chauffer son sinon je vais mourir. Donc là on est dans la maison, ok. Oh bordel de merde. Là-dedans, mais quoi? Un crochet? Je vais à l'étage. Putain, et je sais pas où est-ce qu'ils sont passés les autres hein. Mais Ah moi j'ai pas le choix, je dois aller à l'étage. Je bouge plus. Ok, c'est bon, je peux.
Oui, des soins. Oui, c'est ce qu'on voulait. Ah, c'est worse. Ah, oh, parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Défoncer? Attends, mais je vais me retrouver dans la sauce après, non? Un fusible est requis. Si je pouvais trouver un autre kit de soins, franchement, ça serait cool. Hein. Après, là, c'est piégé, là, non? Si je passe par-dessus, je vais me faire mal. On va essayer de contourner le truc, là. Ouais, ok. Wouah, putain. Et les graphismes, ils sont cool. L'ambiance et tout de la maison, elle est sacrément creepy, hein. J'ai encore des soins. Je vais l'utiliser maintenant. Ça fait un peu chacun pour soi, quand même, le jeu, hein, je trouve. Après, je pense que si t'es en vocal avec les potes, à mon avis, c'est plus... Si t'es en vocal avec les potes, à mon avis, je pense que tu pars sur un travail d'équipe. Mais c'est vrai qu'en solo, je sais pas, ça fait un peu chacun pour soi, quoi. Le tueur, je suppose qu'à mon avis, les barricades, il peut les remettre. Ok. Bon là, de toute manière... Putain, je peux pas passer là. Je crois que j'ai fait du bruit. C'est même sûr. Salut Dom. Et salut à tous ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien les amis, on est en plein test du coup sur... Le futur... Bah c'est du coup le Texas Chainsaw Massacre qui sortira du coup au mois d'août. On a la chance de pouvoir faire un petit test en avant-première. Pour l'instant, c'est plutôt sympathique. Je prends mon temps hein, pour... J'ai pas envie de mourir tout de suite. On va essayer de passer par là. Je vais voir ce qu'il y a dans la salle de bain aussi. On bouge plus. Grand-père de niveau 3, restez immobile pour éviter la détection. On bouge plus. Ah, la maison, elle est stylée. Hein. Franchement, la maison, elle est belle. Hein. Y'en a un qui a réussi à fuir. Y'en a un qui a réussi à se barrer. Je crois que ça bug. Parce qu'en fait là j'arrête d'ouvrir le truc mais... Pour éviter de faire du bruit, pour éviter de me faire repérer. Et j'ai l'impression qu'en fait le truc il avance quand même. Donc ça, bon, ça sera sûrement corrigé ça. Pas d'inquiétude. On a récupéré une valve, ok, donc c'est pour le truc hydraulique. Une victime s'est échappée. Putain, ils se sont tous barrés, c'est cool ça. Stop. Arrête de courir. Calme-toi. Je crois que je peux pas sortir par là, non? Ouais, par là, c'est bloqué. Ok, ils sont sortis par là. Elle est où la pompe hydraulique? Allez vite. Putain, en vrai tu peux pas bouger la caméra quand elle fait ça. Ok. C'est cool. Je peux faire quoi avec ça maintenant? Est-ce que ça a réellement servi à quelque chose? Juste run. On est à l'extérieur là? Je sais pas trop où je dois aller en fait. J'ai pas trop d'idée d'où je dois aller. Il reste plus quoi en plus en survivant. On va trouver des soins, on les gardera pour plus tard. Non, vas-y. Passe doucement. Où est-ce que je dois aller? Ah, les graphismes ils sont sympas. Hein. J'aime bien. Hein.
Portail à pression ouvert. Bouge plus. Ah putain, j'ai fait du bruit. Oh bordel de merde. J'ai vu qu'il y avait un casier là. Il est là, il arrive. Vite, vite. Putain, non, il m'a vu. Oh merde, 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 merde. Je peux courir. Vas-y, cours, 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 cours. État détérioré, faites vite. Y'a pas moyen de passer par une fenêtre? Oh my god! J'ai plus d'énergie. Mais il m'a mis de tarif. J'ai plus d'énergie, non! Non! Ils se sont tous barrés sauf moi, putain! Forcément, il y en a un qui est mort, c'est moi. Bah oui, il faut forcément qu'il y en a un qui crève, c'est moi, évidemment. Attends, mais du coup, il y en a deux qui sont sortis. Il reste plus que lui. Il y en a deux qui ont réussi à se barrer. Lui, il est encore dans la baraque. Il va tellement crever. Il va mourir, c'est sûr, non? Il a été repéré. Tu peux aller dans le puits? Mais non! Mais what? Sérieux, tu peux aller dans le puits? Et tu te retrouves à la case départ, non? Ah, je crois que t'as été suivi, non? Il faut sortir où? En fait, y'a plein d'accès pour sortir. Y'a plein d'accès différents pour sortir. Bon, lui en tout cas il est dans la sauce. Ah ouais, il va crever. Ah, il est mort. Il y a un des membres de la famille qui l'a chopé, le cuisinier. Ça y est, il est mort. Bon, ça part sur une égalité du coup. Deux personnes ont réussi à sortir. La chasse a été bonne. Deux personnes ont réussi à sortir. Et deux personnes se sont fait tuer. Et vas-y qu'on s'en jaille. Bah, c'était pas mal. Eh, pour une première game, c'était pas mal. Victime tuée par les Orface. Hémorragie fatale. Évasion réussie. Sortie route est. Ok. Ah, il y en a qu'une. Non, il y a qu'une seule personne qui a réussi à sortir. Ah, il faut pas faire tourner. Putain, il fait un bruit. Il laisse tomber à côté de moi. Ça va être sa première game en vrai. Salut Nalf. C'est pas mal pour l'instant, ouais. Oh my god. What are they doing to me? Ça fait bizarre de devoir appuyer sur espace pour courir. On évite de faire trop de bruit. Je crois qu'il m'a pas vu. Je crois qu'il m'a pas vu. Putain! Il est parti, c'est bon. Il a tué quelqu'un là? Faut qu'on puisse ouvrir cette porte. Il nous faut un crochet, ok? Si on arrive à ouvrir cette porte, on va pouvoir s'échapper du basement, je pense. Salut Tegalad! Comment on fait pour ouvrir ça? Utiliser une boîte à fusil pour l'ouvrir. Ok, j'en ai pas. Des soins, ça pourrait être utile pour plus tard. Un os aussi.
Ok, je peux me défendre avec ça, je crois. On va l'équiper tout de suite. Non, non, ça c'est pour te soigner, c'est pas bon. Je me demande juste comment tu fais pour utiliser du coup l'arme. Peut-être que tu la plantes automatiquement, je sais pas. A voir. Ouais, tu peux tuer les poules aussi pour plus qu'elles fassent du bruit, effectivement, ouais. Ouais, ça c'est un peu monstrueux, mais bon, c'est... C'est un peu comme dans Hunt, tu vois, des fois t'as des cages avec des chiens ou des poulets, bon bah, faut pas faire de bruit pour être discret. Tue la poule. Non. Rockstar, merci pour l'abonnement Ferranana. Merci beaucoup, poulet. Si. Non. Sorry. C'est hors de question que je fasse ça. Je ne suis pas un monstre. Si. Oh putain. Oh bordel là. Oh la vache. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il peut péter le mur ? Vous avez réveillé le grand-père ? Il est où le facepalm est là ? Je crois qu'il prend tarif là. Bon, il y avait une porte à ouvrir, elle est là. Oh putain, il a pris tarif l'autre, il est mort je crois. Il y avait marqué qu'il était mort ou pas? Ouais, 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 il y a marqué. Yep, il est finito. Oh merde, pauvre. Pourquoi je peux plus ouvrir la porte? Il faut que je fasse ça parce qu'en fait, si je me précipite trop, tu vois, je peux casser la... Oh bordel de merde. Allez! Il m'a mis tarif là. Il m'a mis tarif putain. Putain. Oh là 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 là. Eh, on a 666 viewers là. On bouge plus. C'est parfait. Oh, y'en a un qui est déco. Oh merde, ça va être chaud. Je crois que je suis en train de paniquer là. Faut que je sorte de là, faut que je sorte de là. C'est un des tueurs ça, non? Oh putain. Mais ça, en fait, il y a deux tueurs dans la cave là, du coup. Allez, vite, vite, vite. Yes. Merde, je me suis fait griller.
Ça remonte à super longtemps dans Space. Ça remonte à 3 semaines, je crois. 3 semaines, 4 semaines. Je me rappelle pas, poulet, je suis désolé. T'en penses quoi? Pour l'instant, j'aime beaucoup, mais après, c'est la phase de découverte aussi, ce qui est normal, tu vois. Je suis en train de découvrir le jeu et tout. Donc là, c'est insane, c'est trop bien. Les musiques et tout, l'ambiance du jeu, elle est insane, elle est trop bien. C'est le tueur, ça, je crois, non? Non, pour l'instant, c'est top, hein. Enfoncer la porte, c'est pas une très bonne idée, ça, à mon avis. Waouh. Non! C'était repéré? Je crois pas. C'est failli être repéré. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un crochet? Ok, je trouvais le crochet, c'est nickel. En bas, bah, c'est pas le bon plan d'aller en bas, hein. Non, l'enfoncer, c'est pas non plus un bon plan. C'est le tueur, ça, non? Putain, c'est un tueur, il m'a pas vu! Plus aveugle, tu meurs! Oh, c'est le grand-père. Oh, putain de merde! J'ai un moyen de le tenir un petit peu là ou pas? Ouais là, ah bah non c'est mort, non c'est mort. C'est bloqué. Ciao les gars. Oh putain mais ils sont trois sur moi. Faut que tu cours meuf. Allez sprint là, vas-y. J'ai plus rien, j'ai plus de jus. Y'a pas une palette là? Y'a une palette là, mais je peux rien faire! Ah, oh, je prends tarif. Vas-y, fonce, 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 dit. C'est un pire plan, je suis de retour dans la cave, mais en plus je suis coincé là-dedans. Oh là là. T'arrives ici, t'es coincé? Ah oh, c'est chaud. Mais je crois que j'ai réussi à le semer. Ah, je suis mort. Mais là, c'était compliqué, là, en vrai, de faire quoi que ce soit. J'avais les trois sur moi. J'avais les trois là-haut, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Payez sur votre propriété, donnez du sang à grand-père. Chassez des victimes et récupérez leur sang. Exécutez des victimes. Vas-y, fouette-le! J'adore donner du sang à grand-père. Il faut pas gaspiller du sang. On peut tendre l'oreille. Ok. Ensuite, c'est quoi ça? Recharge en cours. J'ai pas trop compris c'était quoi ce pouvoir, mais... Une victime bruyante a réveillé grand-père. Déjà, putain, voyons qu'ils en font du bruit. Oh, vas-y, on va aller les voir dans le basement. Après, ça m'étonnerait que je puisse aller les... Salut.
C'est l'autostoppeur qui vient du coup pour nous aider. Ok, on peut fermer à clé et tout. Comme ça on les oblige à défoncer les portes. Allez, j'ai verrouillé la porte, on est parti. Par là on peut pas passer hein. Ah ok, j'ai compris. Clic molette. En fait ça me permet de voir l'aura de mes potes. Je crois hein, du moins je crois. Mais sûrement pas que, y'a déjà quelqu'un qui s'est déco. Il doit y avoir des problèmes à mon avis de connexion sûrement. Je pense. Oh salut toi, ça va ou quoi? Par ici. Oh merde. Oh 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 oh. Ah mais tarif. Ok, comme Prop Knight du coup, grâce aux portes tu peux stun le tueur. Tirer le loquet. Ouais, vas-y on va faire ça. Non c'est bon. Qu'on arrive à la trouver. Elle est partie, à votre avis. Il y a un coffre là. Elle s'est pas cachée dedans. Non, je vois pas à quoi il sert le pouvoir avec le clic molette. Oh, salut mec. Il peut littéralement m'infinite ici, non? Il peut littéralement m'infinite ici, il peut passer à tour de rôle, genre au calme. Là, là, il est là. Vas-y, stop, stop. Lâche l'affaire. Vite, vite, fonce, fonce, fonce. Mais non, mais c'est mon pote, lui. Mais il est en train de poursuivre quelqu'un. Attends, j'ai passé de l'autre côté. Vas-y, on va passer de l'autre côté. Ok, ah, il s'est fait stun, lui aussi. Putain, on se fait buter en tueur. Dis donc, c'est insane. Hein. Salut. Mais t'as plus dessus. Mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, mon perso? Il est con, quoi? Ah, t'as pas intérêt à te rater, hein. L'endurance, ouais, l'endurance. Ah, y'a personne. Faut pas que tu rates ton coup, en fait. C'est comme des BD, si tu rates ton coup, après ton personnage, il est en mode « Oh, mince », tu vois. Enfin, il passe un petit moment, tu vois. T'es légèrement stun, en fait, pendant quelques secondes. Donc t'as pas intérêt à te rater. Je peux pas passer là. Ouais. On a récupéré du sang, c'est nickel. Ouais, viens par ici. Non, ça va. Allez, une exécution. Et demain, il faut que j'aille voir le grand-père, vite. Grand-père est en danger, vite, il faut qu'on aille lui donner du sang.
C'est par là, hein, je crois. Le pouvoir de grand-père augmenté, détection des victimes activée. Il est où le grand-père? Il est à cet âge-là, je crois. Il est ici, hein. Il est là-bas, nickel. Grand-père nourri, il est au niveau 2, ok. Oh, parfait, on volera du coup des sauts survivants. Ok, il y en a un qui est juste en bas. Je sais pas combien est-ce qu'il reste de survivants. Est-ce qu'on a moyen de voir combien est-ce qu'il reste de survivants? Ouais, on peut. Ok, alors tuer, il y en a un que j'ai tué, il y en a une qui a été déco, et il reste encore du coup 2 survivants. On va refermer la porte, par contre. On va la verrouiller, let's go. Oh putain, c'est chaud, maman Bert. Repose-toi bien, poulet. Ouais, ouais, du coup, ça, le pouvoir, en fait... Effectivement, ça me permet bien, donc, de voir l'aura, donc, de mes potes. J'ai pas dit de conneries tout à l'heure, en fait. Ah, ça aurait pu être une cachette, le frigo, même si, bon, à mon avis, il doit pas rester très longtemps dedans, sinon, ça va faire mal. Apparemment, il y a du bruit qui vient de par là-bas. Là, il y a un passage. Ouais, vous vous rappelez? On était coincé ici tout à l'heure. On va verrouiller ça. Faut surtout pas qu'il puisse s'ouvrir. On va monter par ici. Et on va voir du coup s'il y a du monde à l'extérieur. Il y a un survivant en haut, non? J'ai pas vu. Il y a eu un bruit là-haut. Il y a un survivant, ouais, là-haut. C'est verrouillé, on est d'accord. Il est pas là. Putain, il se cache bien. Là. Je l'ai trouvé. Yes. Allez, c'est moi qui ai de Maury. Bim. Je veux dire, comment je vais voler sans Maury, le pauvre. Il doit être dégoûté. Ils sont pas dégoûtés. Mais le mec, il a le seum, je suis sûr, il est dégoûté. Le mec, il est dégoûté. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis un piège. Ah, j'ai l'impression qu'il peut mettre des pièges, lui, non? Ça doit être ça, son pouvoir, sûrement. Ouais, je crois qu'il peut mettre des pièges. Il reste plus que une survivante. En vrai, c'est la meilleure phase, ça. C'est la phase, en fait, de découverte où tu sais pas encore trop comment jouer au jeu, comment faire, tu vois,
pour réussir une game ou comment faire du coup pour être vraiment hyper efficace en tueur. C'est la phase de découverte où au final tout le monde fait des petites erreurs, mais c'est la phase la plus amusante. Ouais, c'est vrai, il faut qu'on aille nourrir grand-père, ouais. Une fois que tu commences à avoir du coup tout le monde qui te regarde sur le jeu, c'est vrai que c'est un peu, c'est plus la même chose quoi. T'es obligé de connaître le jeu un minimum. Mais au moment en fait où tout le monde fait un peu de la merde, c'est la phase la plus drôle je trouve. La phase, le moment de découverte. C'est le meilleur moment pour moi. C'est ça, après ça te regarde en fait. Et après en fait t'es obligé de te mettre au niveau des autres, sinon tu... Bah sinon tu te fais bully quoi, tu fais plus rien quoi. Le grand-père est nourri, nickel, il est au niveau 4. Elle a les tâches. J'arrive! Oh, c'est bon à savoir ça! C'est bon à savoir ça! Vous avez vu? Allez, pas de ce côté-là. Attends, je peux passer par là? Non, je peux pas, ok. Comment si j'étais par la tête hein. Bon, elle est à l'extérieur de toute manière là. Niveau 5. Salut, ça va? Oh 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 oh. Allez, vas-y, dis-moi que je peux sauter là par la fenêtre quand même. Non? Ah merde. La chasse a été bonne. On l'a tué? Elle est morte je lui ai mis un coup, elle est morte d'hémorragie. Nice, on a fait un carnage. GG. On a fait un carnage les amis. On a fait les 3 kills. Cool. Et l'autre a été déconnecté malheureusement. Ouais, hémorragie fatale. Elle est sautée par la. Elle est passée par la fenêtre du coup et ouais, nickel. J'ai fait 2 victimes. Il en a fait une. Bon mes amis, nous sommes cette fois-ci Booba. Je suis Leatherface. Ça va pas rigoler. Vous avez une idée de date de sortie? Au mois d'août. Il a été annoncé au mois d'août. Mi-août, si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, clic molette, même principe que l'autre personnage de tout à l'heure. C'est pour voir du coup l'aura donc de mes potes. Et clic droit donc, je suppose que c'est pour charger la tronçonneuse. Attends, faut que je... Tu veux que j'appuie sur quoi? Oh, ok, j'ai compris. Ça c'est pour mettre un coup de pression, c'est pas mal. Tu peux mettre un bon coup de pression, tu vois. Ok, si j'en chope un, ça roule. Y'a moyen de péter les portes? Ok, personne par ici, on va récupérer du sang, tiens. On peut courir giga vite. Attends, t'es bloqué là, non? Tu peux passer?
Y'a pas moyen de passer du coup, je suis obligé de... Ok. Là c'est pareil, c'est bloqué là du coup. Retour à la case départ. Salut toi, ça va ou quoi? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Va par ici! Non! Viens ici, je te dis! Réveille d'abord grand-père. Ah putain! Oh oh oh, salut! Ça va mec? Tu vas bien? J'avais pas vu, pardon! La porte. Ah, c'est bon. Putain, t'as de la chance, hein! Ah, tu peux détruire les portes comme ça, après t'es plus emmerdé, ils peuvent plus te la claquer au visage. Putain, la pression côté survivant quand même, quand t'as les orphelins qui te poursuivent. Les autres, ils mettent moins la pression, hein. C'est vraiment lui, il te met mal, hein. Franchement. Des types bruyantes à réveiller grand-père. Parfait, ils ont nourri grand-père, c'est cool. Ah non, ils l'ont pas nourri. Non, il faut que j'aille le nourrir, moi. Salut chérie, ça va ou quoi? Tu vas bien? Viens pas ici! Viens pas ici! Ah! Allez, ramène-toi, je vais te découper! Putain, ça fait péter les plombs, je dis donc. Elle est passée où? Là, 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 viens pas ici! Ok, d'accord. Donc en fait, si jamais elle se faufile, il faut que j'appuie sur R quand elle se faufile. Comme ça, je peux lui mettre un petit coup de tronçonneuse. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Allez, parti par là-bas. Elle est peut-être passée par là, non? Non, ok, il est fou. Ah ouais, j'ai pété les plans, ouais. Ça y est, ma vraie nature est ressortie, je suis un psychopathe. Ah, juste un petit coup d'œil là-dedans quand même, hein. Ah, non, personne? Non? Ok, c'est le cadavre du coup que j'ai mis là-dedans l'année dernière. Et on sait jamais, hein, si jamais on n'a plus aucun touriste qui vienne du coup... nous rendre visite, au moins on a des réserves. Ah, peut-on jamais. Toujours personne par ici. Je vais aller voir grand-père du coup, vite fait. Oh. Hello, hello. Je peux pas utiliser R là sur un spot comme ça. Hélas. Espèce d'enfoiré, viens ici! Ah putain! Quel bourricot! Il faudrait peut-être une lampe torche parce que ça se trouve il y avait quelqu'un, mais on voit rien. Ça se trouve il y avait quelqu'un. Waouh. Merci pour le resub, Eagle. Merci poulet, tu gères, merci beaucoup. J'ai l'impression de tourner en rond. Rien ici. Rien ici non plus. Caltech qui vient d'offrir un abonnement. Ah oui, papy. Papy qui a faim. J'y vais. Ah, ils ont ouvert le truc. En plus. Il y a personne qui le nourrit.
Je suis seul à nourrir du coup. J'avais beaucoup de soins à lui donner, je crois. Non, j'avais rien du tout à lui donner en fait. Et je crois que les autres ils ont pas compris le principe où il fallait me nourrir. Et tu joues ou pas, mec? Ah oui, il est en train d'utiliser son pouvoir. Là, y'a rien, ok. Je vais récupérer le sang et je vais le donner au grand-père. Ça serait vraiment bien qu'il passe en niveau 1 là, hein? Avec tous les coups trop soudeux que j'ai mis, je suis choqué quand même de pas avoir plus de sang que ça. Pourtant il me semble avoir mis quelques coups trop soudeux, les avoir blessés et tout. Ok. Bon alors, est-ce que vous avez repéré quelqu'un? C'était pas un survivant, ça, en bas? J'ai vu quelqu'un accroupi. Non, 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 l'inverse. Non, non, fais l'inverse. On ouvre la porte, on la referme tout de suite. Et on met le cadenas. Tu vois pas? Je suis sûr qu'il y a encore quelqu'un ici. Alors Vago, il est comment le jeu? En vrai il est trop... c'est vraiment cool. Après c'est le côté découverte aussi hein, pour l'instant, mais... Tu sais, t'as des jeux, tu commences à... Enfin tu découvres le jeu, tu te fais directement chier, là non franchement c'est cool. Là honnêtement c'est sympa. Salut Razan, tu vas bien? Non, c'est vraiment cool. Et du coup, demain on démarre la journée sur ce jeu. Si ça vous dit. Demain, on démarre la journée directement sur ce jeu. Le jeu donne envie de try. Ouais, grave. Ouais, ça a bougé, ces cas. Ouais, personne. Bon, vas-y, on va remonter, c'est pas grave. On va remonter, ils doivent sûrement être dans la maison. En vrai, ils se planquent bien. On a zéro kill pour l'instant, putain. Mec qui a réussi à s'échapper. Le problème c'est que je vois pas où ils sont. Et en fait le problème c'est que mes mates, ils nourrissent pas le grand-père. J'ai l'impression que mes mates ils foutent rien. C'est genre la game d'avant, tu vois, le grand-père il était niveau 5 quoi. Et là je sais pas, je comprends pas. Oh, je viens de voir quelqu'un passer là, non? Là-bas là. Coup de tronçonneuse, let's go. Elle va prendre la fenêtre. Je vais faire le tour, j'ai pas le choix. Let's go. C'est pas le bon côté, je crois, non? C'est pas le bon côté. On va refermer. On va verrouiller. C'est pas ce qu'ils foutent, mes mates, en vrai. Pourtant, ils ont l'air d'avoir des points. Mais ils pensent pas à nourrir le grand-père. Y'a du bruit par ici, là. Ah, on peut sortir par ici, ok, cool. Par ici, on peut sortir. Deuxième victime qui a réussi. Ils sont en train de tous se barrer. Ok, ah, ils se sont tous barrés, bien joué. J'ai pas compris la game en vrai. J'ai réussi à mettre quelques coups de tronçonneuse, mais après, ouais, on n'a pas réussi à nourrir le grand-père. Dommage.
Tant pis, tant pis. Et du bruit en bas par contre, attendez, il reste encore quelqu'un en bas. Visiblement. Hé, hey, salut toi. Traquer la dernière victime. Ah ouais, mais elle est où les gars? Vous l'avez vu? Ah, elle est pas par là. Elle est pas repartie dans la cave, c'est pas possible. Là, y'a rien. Elle est partie là-haut, j'arrive! En vrai, je pense qu'il y en a un qui a pas pensé à nourrir le grand-père. Mais en vrai, bah, de toute manière, tout le monde découvre le jeu, donc c'est normal, on peut en vouloir à personne. Hein, c'est. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pas nourri le grand-père du coup de la session et il devait avoir plein de sang à donner et il l'a pas fait. Malheureusement. Elle est pas là-dedans. Ça c'est dommage, ça serait bien qu'on puisse voir quand même un tout petit peu plus ce qu'il y a dans le placard parce qu'on voit vraiment rien pour le coup. C'est hyper sombre. J'espère qu'ils vont corriger ça. Ça pourrait être vraiment cool. Non mais les gars, elle est là-haut hein. Attends, je viens de l'entendre là. Ah, c'est trop fort, le pouvoir, vous avez vu? Le pouvoir, il est insane, hein. Pas ici, chérie. Non, mais cours vite. Allez, 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 allez. Non. Pas qu'elle aille sur la route. Allez, bim. On a au moins un kill. Hein. Ah bah, y'a tout le monde qui est là, y'a toute la famille. Nice. Une petite danse de fin là, pour terminer. Ah les autres, je sais pas, j'ai pas réussi à les choper. Ah ouais. J'ai pas réussi à les choper, on a pas mis énormément de sang du coup dans la... Enfin le grand-père du coup on l'a pas donné énormément de sang. Donc on n'avait pas donc de repères, c'est dommage. Après c'est pas grave, je pense que de toute manière moi le premier je vais faire des erreurs aussi à mon avis. De toute façon c'est la phase de découverte donc c'est pas grave. Mais là le principe du jeu est sympa ouais.